سقطت من العار وصرت يابسة يابسة وحزينة راني هايمة ما نعرف وصرت يابسة يابسة وحزينة راني هايمة ما نعرف Bienvenue, des mots de minuit ce soir avec Valeria Bruni-Tedeschi qui revient au théâtre avec un mois à la campagne d'Ivan Tourguenieff, c'est au théâtre de l'Athénée. Bonsoir Valeria. Bonsoir. Avec et en face d'elle Souleymane Colli, les 25 ans du théâtre côté bas, tout un parcours, toute une aventure et une création qui se situe entre la tradition populaire, enfin la culture ancestrale et les influences de la modernité. Dans la deuxième partie de cette émission, Éteignez vos portables, nous parlerons de poésie. C'est le printemps de la poésie, notamment avec André Velter qui récitera. Nous parlerons du livre, où va le livre. C'était le salon du livre avec Jean-Yves Mollier. Nous parlerons également d'un spectacle multimédia théâtral avec Olivier Delcroix, pardon, critique au Figaro. Ça s'appelle L'affaire des ombres. De quelques expositions. D'abord, manière de voir, donc, avec Valeria Bruni-Tedeschi et Souleymane Colli. Souleymane Colli, nous allons commencer avec vous. Qu'est-ce que c'est que le théâtre côté bas, qui a 25 ans aujourd'hui, donc qui a une très très longue histoire? Est-ce que vous avez l'impression que... Alors, côté bas, ça veut dire l'escargot. C'est donc la spirale. C'est la spirale. C'est la signification première. C'est parce que, vous savez, le côté bas, le théâtre côté bas est basé à Abidjan, mais le côté bas est un genre très ancien pratiqué au Mali. Au Mali, ouais. En particulier dans la région de Ségou par les Bambara. C'est une forme de théâtre, comme on a la Commedia dell'arte en Europe, comme on l'a d'autres. Théâtre no ou kabuki au Japon, il y a le côté bas qui est joué, qui a toujours été joué par des artistes qui font à la fois de la danse, du théâtre et de la musique. Et ce spectacle, la mise en condition des acteurs se fait toujours en se développant comme en forme de coquille d'escargot. D'où est venu le nom de côté bas. Côté veut dire escargot, bas grand, côté bas. Et ça ne se termine pas puisque ça fait 25 ans et qu'aujourd'hui, vous avez une renommée internationale. Est-ce que pour vous, c'est une consécration? Est-ce que vous êtes, d'une certaine manière, un sage qui a prouvé que ce théâtre-là, qui fédère le chant, la danse et le théâtre proprement dit, est-ce que vous avez prouvé que, finalement, l'Afrique pouvait largement exporter, j'aime pas forcément le mot, mais exporter sa puissance créatrice? Bon, écoutez, moi, vous savez, moi, ma préoccupation, vous l'avez dit, ce n'est pas tellement d'exporter. Ma préoccupation, ce n'est pas, disons, d'exister par rapport aux autres, c'est d'exister. Et sage, j'aime pas trop l'expression parce que beaucoup de sages nous ont amenés à des endroits qui n'étaient pas très sages et nous ont gérés de manière pas toujours très sage. Donc, je veux dire, on a fait un parcours, c'est vrai. Ça fait 25 ans. Un beau parcours. Un beau parcours. Mais quand on voit l'environnement dans lequel nous sommes encore plongés aujourd'hui et les problèmes que nous sommes obligés de résoudre au quotidien pour exister ou pour faire, je me dis il reste encore beaucoup à faire. Donc c'est vraiment pas une consécration, c'est un parcours certes qui a prouvé qu'on peut faire quelque chose, mais il reste beaucoup à faire et je crois que c'est pas le moment de s'asseoir et de dire on est sage et puis voilà quoi. On va parler du départ, et on va peut-être dire au départ, oui. et ça vous l'évoquez parce que vous êtes aussi, au-delà d'être un patron de troupe, un chef de troupe, un organisateur au sens, et un animateur au sens le plus large du terme, vous êtes aussi un réalisateur, puisque vous avez réalisé en 1987 une fiction qui s'appelle « La vie platinée ». Vous avez été co-scénariste, co-réalisateur, chorégraphe, musicien, et en fait ça évoque déjà le parcours de votre ensemble. On regarde tout de suite un extrait et on va voir comment va s'installer la spirale de l'escargot. Thank you.
une nouvelle. Nous venons de recevoir une invitation pour donner 10 représentations à Beaubourg. Non. Ce n'est ni Bobo Dioulasso, ni à Bobogar. Beaubourg, c'est le plus grand théâtre de Paris. Alors, ça s'est réellement passé comme ça, c'est-à-dire qu'un jour, ça y est, vous pouvez partir. Oui, on a joué à Beaubourg, mais à ce moment-là, déjà, les problèmes de début étaient dépassés. Le premier endroit où nous avons joué en Europe, c'était le festival de théâtre universitaire de Nancy. Et c'est vrai, ça s'est passé un peu comme ça, parce que nous existions à Abidjan depuis déjà 3-4 ans, et il y avait un prospecteur du festival qui tournait en Afrique et qui est venu voir ce théâtre, qui était un théâtre qui n'était pas ce qu'on avait l'habitude de montrer de l'Afrique, un théâtre sans complexe par rapport à la langue française, et donc nous a proposé de venir à Nancy. Ça se passait en 1980. Ce théâtre, c'est vous. À l'origine, vous êtes né en Guinée. Oui. Vous faites vos études en France. Mmh. Sékou Touré dit non à la France. Oui. Et accepte l'indépendance. Donc vous êtes séduit. Vous repartez en Guinée. Oui. Assez rapidement, Sékou Touré présente quelques tendances autoritaires. Mmh. Donc vous partez, vous vous installez en Côte d'Ivoire. Mmh. Vous faites des études, finalement vous êtes d'abord un fonctionnaire, enfin, ou en tout cas un cadre supérieur dans l'administration, hein, puisque on vous trouve au Centre national des arts, ensuite vous avez fait partie du commissariat au plan. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, le fonctionnaire ou le cadre que vous êtes va au théâtre ? En fait, j'ai toujours une pratique artistique. Les deux. Les deux. Oui. Même élève au lycée, ensuite étudiant en France ici. J'avais avec des copains une compagnie. Donc j'ai toujours, parallèlement à mes études, eu une pratique de la scène. Et arrivé en Afrique, en Côte d'Ivoire, j'ai mené les deux de pair. Côte-Bas a été créé en 1974. Et je travaillais déjà au ministère du Plan et j'y ai travaillé jusqu'à 1984, là où finalement j'ai complètement rompu les amarres pour me consacrer entièrement à Côte-Bas. Donc j'ai toujours eu la double pratique. – On vous laissait faire ?– Oui, on me laissait faire parce qu'en fait ça n'empiétait pas sur mon travail du Plan, parce que Côte-Bas répétait la nuit et généralement les tournées se faisaient dans des périodes de congés, de mes congés professionnels. Mais c'est lorsque justement Côte-Bas a commencé à prendre son ampleur et que les tournées pouvaient se faire en dehors des congés que j'ai arrêté. Et puis c'était plus viable d'être en train de faire de la planification la journée, de faire du théâtre le soir, c'était plus viable. Est-ce que le fait que vous avez été étudiant en sciences sociales implique que vous avez imaginé votre théâtre comme un théâtre d'intervention ou comme un théâtre politique ? Est-ce que c'est aussi ça, Côte-Bas ? – Côte-Bas, c'est ça. Et puis Côte-Bas, c'est fondamentalement ça. Le Côte-Bas traditionnel a un regard critique sur son environnement. Le théâtre Côte-Bas a aussi ce regard et un regard sur le quotidien, sur la vie des gens. Bon, l'intervention, c'est certes les études, mais c'est aussi un choix personnel. Je crois qu'il est difficile, quand on vit en Afrique, de ne pas avoir une volonté d'intervention, qu'elle soit maintenant militante, sociale ou autre chose. Il y a tellement de choses qui vous entourent et qui vous interpellent que vous ne pouvez pas rester les bras croisés maintenant, que vous le fassiez à travers le théâtre ou que vous le fassiez à travers un bouquin ou bien à travers l'action politique, comme certains amis ont choisi de le faire. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés. – Promenons-nous dans votre théâtre avec une pièce qui s'appelle « Tous unis dans nos wax ». Oui, le wax. – Qu'est-ce que c'est que le wax ? Le wax, ouais, wax, ce sont les pagnes africains, enfin les pagnes africains qui en fait sont d'origine hollandaise, comme tout le monde le sait. Non. Ah si. maintenant, oui, mais bon. Non, ça a une histoire, ça serait trop long pour raconter, mais c'est extraordinaire l'histoire. Comment le wax est arrivé en Afrique, parce que c'est une technique qui a été internationalisée par les Hollandais, mais qui vient de l'Indonésie. Et c'est pendant des révoltes de gens en Indonésie que les Hollandais ont pris des hommes au Ghana, enfin c'était pas le Ghana de l'époque, pour aller s'y battre, et qui sont revenus avec ces pagnes. Ça a eu un tel succès que les Hollandais ont su qu'il y avait un marché. Voilà comment on a commencé à faire des pagnes en Hollande pour les Africains. Donc ça s'appelle wax, parce que c'est fait avec la technique de la cire perdue. Et le wax est rentré vraiment dans les mœurs. On se reconnaît à travers un wax. Les wax marquent un événement. Vous avez une grande victoire de football, par exemple, d'un club. Un wax sort la semaine suivante pour marquer cet événement.
Et donc, une visite officielle du président. Une visite officielle du président. On voit Chirac sur les wax. Sur les wax, et les gens sur les wax. Et ensuite, vous voyez par exemple, ma mère peut me dire, voilà le wax qui est sorti à l'occasion du mariage de la reine Elisabeth, par exemple, et on le garde. – Alors, pièce politique, puisque tous unis dans nos wax, c'est quand même une dénonciation d'une manière de se taire quand l'économie prime sur le social. – Tout à fait, parce qu'on était dans une période qu'on appelle et qu'on continue à appeler de crise, et finalement les quartiers se réveillent parce qu'on ferme une usine de wax. Enfin, une usine de wax débauche. Et les gens disent, c'est pas possible, le wax marche, tout le monde porte des wax, comment pouvez-vous nous dire que le wax ne marche pas? Il y a une combine là-dedans. Et donc, il y a parallèlement l'action menée par les ouvriers qui travaillent dans cette usine, et puis l'action des femmes du marché qui disent, non, c'est pas possible. Et donc, il y a toute une forme de dénonciation, de prise de parole qui se fait de façon très, très humoristique. Par rapport à tous ces problèmes de calcul économique, et on vient nous faire comprendre qu'il y a crise et il faut qu'on débauche du monde. Extrait. Alors, dans ce théâtre, on aperçoit tout de suite un des principes constituants du côté bas, qui est que à la fois on joue, mais on chante également. Et comment se fait-il que que le côté bas soit à ce point un spectacle complet entre la musique, la danse et le jeu? Comme je l'ai dit au début, c'est d'abord la tradition du côté bas qui est ainsi. Vous l'avez repris, hein, complètement. Oui, quand je suis rentré en Afrique, bon, je voulais faire un travail en m'inspirant de ceux qui étaient africains. Vous savez, pendant une bonne période, on faisait soit, disons, du folklore, un folklore respectable, beau certes, mais du folklore, où on essayait de faire du théâtre à la française, puisque la plupart des jeunes étaient formés en France. Et il n'y avait rien au milieu. – Donc si je vous comprends bien, vous situez votre création juste au milieu, entre la tradition populaire et la modernité pour la modernité. – Oui, je situe simplement dans la vie des gens, parce que les gens, ils ne sont plus traditionnels, villageois, et ils ne sont pas non plus occidentaux, ils sont des Africains d'aujourd'hui vivant dans une ville comme Abidjan qui fait 2,5 millions d'habitants. Et je crois qu'on ne peut pas mettre entre parenthèses. Ce qui est frappant, c'est que souvent, surtout à cette époque, lorsque les autorités parlent de culture, c'est toujours la culture villageoise, parce qu'elle est maîtrisée, parce qu'elle a ses codes. Mais dès qu'on rentre en ville, les codes ont explosé. Les rapports aux parents, les rapports à la vie, les rapports à l'argent ne sont plus les mêmes. Ce n'est pas totalement maîtrisé et on ne veut pas prendre en compte cette culture-là. – Ce qui explique par exemple que dans un spectacle comme Madame à Champion, vous intégrez le football à votre chorégraphie. – Tout à fait, ça a été d'ailleurs à l'époque quelque chose d'assez marquant dans l'évolution par exemple de la danse urbaine en Côte d'Ivoire. C'est qu'on s'est dit, mais pourquoi toujours danser les danses de chasseurs? Et quand c'est la danse des chasseurs, c'est chasser avec des flèches. On ne chasse plus avec des flèches. Elles sont belles, on peut les conserver, mais il y a autre chose. Et pour vraiment laisser libre cours à l'imagination des membres du groupe, je leur ai dit, bon, maintenant on ne danse plus les danses de guerre, etc. On va danser du football. Tout de suite, ça a donné tout de suite autre chose. – Et le public a mieux réagi. – Ah, tout à fait. Alors, les extraits du spectacle ont été tournés à l'occasion d'une tournée au Mali. – Oui. – Par ailleurs, ils ont tous été montés dans différentes villes de France. Ils ont tous été vus, que ce soit à Avignon, à Bordeaux, hein, par exemple. Et dans le film dont on a extrait ces extraits, il y a une spectatrice qui sort du théâtre, enfin en tout cas de l'endroit où la représentation a été donnée, et qui dit ceci, elle est africaine, elle dit « on s'est senti dans notre peau ». Et je crois que là, c'est une manière de marquer votre réussite, puisque si vous réussissez à faire qu'il y ait cette identification par rapport à un théâtre qui intègre tout, et la ville notamment, hein, qui,
qui ressource. Ça vous fait plaisir que les spectateurs ou les spectatrices sortent ? Oui, non, ça fait plaisir, mais je crois que par cette phrase simple, elle a posé le vrai problème, pas seulement de la création artistique, mais de tout en Afrique. C'est que, soit, je vous le disais, on va proposer des danses villageoises que les gens regardent avec beaucoup de respect, mais un jeune qui est né à Abidjan et qui tous les jours voit toutes les télés du monde, quand il regarde des danses villageoises, par respect pour son père, il va applaudir, mais au bout d'un certain temps, ça l'embête. Et quand on lui amène aussi des productions occidentales faites pour les Occidentaux, il regarde par complexe, il dit que c'est bien, mais ça ne le touche pas directement. Donc il y a une obligation des créateurs et de tous, même des hommes politiques, de créer pour l'Afrique de nouvelles façons de voir les choses. Et je crois que là, cette dame a senti qu'il y avait quelque chose qui lui parlait au présent et qui en même temps était africain. – Autre extrait d'un autre spectacle, ça s'appelle « Funérailles tropicales ». Et là, vous êtes plutôt sur un registre éminemment politique. Extrait. – La voix de son maître. – Oui, monsieur le Douin. – C'est à vous. – Les enfants, vous êtes prêts ?– Oui. Toutes choses égales par ailleurs, on n'est pas loin de la France sous Pétain finalement. Hein, c'est un peu le. Bah écoutez, il y a beaucoup de réalités qui se répètent malheureusement à travers le monde. Sur la situation en Afrique, dans l'actualité, on a eu le coup d'État en Côte d'Ivoire, c'était en décembre. Mm-hmm. On a aujourd'hui une alternance au Sénégal. Tout à fait. Et est-ce que tout ceci est porteur selon vous ? Est-ce que c'est plus dans cette logique des politiques qui doivent inventer autre chose, des politiques africains qui doivent inventer autre chose. Oui, moi je crois que c'est porteur. C'est vrai que l'Afrique n'offre pas toujours un spectacle réjouissant, mais je crois que ce sont les passages douloureux à travers lesquels il faut passer pour asseoir une société respectueuse de tout le monde. Je crois que l'Europe occidentale est passée à travers, l'Europe orientale est en train de faire aussi sa mutation, mais je note quand même un certain nombre de choses symboliques quand même en Afrique. Malgré tout ce qu'on peut dire, c'est quand même sur le continent qu'on voit un monsieur comme Senghor qui est président et qui dit « je m'arrête ». On n'a pas vu ça ailleurs, nulle part dans le monde. Quelqu'un qui est président, qui peut être réélu et qui dit « j'arrête ». C'est un poète de la politique, Senghor, et c'est l'Afrique qui l'a donné. On voit un militaire qui prend le pouvoir au Mali, qui organise des élections et qui cède la place à des civils et à un président démocrate qui est M. Alpha Omar Konaré, qui fait ses deux mandats et qui dit « je m'en vais parce que je n'ai pas le droit d'avoir plus de deux ». – C'est un peu neuf ça quand même en Afrique. – C'est neuf, mais l'Afrique présente ça. Je dis à côté des situations de guerre, de bagarre, il y a ces symboles-là qu'il faut de temps en temps rappeler aux jeunes Africains pour qu'ils ne désespèrent pas de l'Afrique. – Côté bas, c'est aussi la musique. Je voudrais qu'on regarde deux choses que vous faites, deux extraits de ce que vous avez imaginé, de ce que vous avez créé, de ce que vous avez réussi à trouver, et ensuite on parlera justement de votre théâtre, comment est-ce qu'on administre un théâtre comme celui-là, quelles chances on donne aux jeunes artistes, où on les trouve. Alors, dans la manière de travailler la musique, je voudrais qu'on écoute quelques notes de Habib Koïté, qui est un de vos musiciens, enfin en tout cas un des musiciens de la troupe. Comme ça,
Alors, dans, dans la musique que vous travaillez, il y a peu de concessions à la world, à tout ça. Il y a vraiment un travail sur presque le rock africain pur jus, hein, si vous me passez l'expression. Ça, c'est du parti pris. En même temps, on voit une guitare qui est une guitare qu'on trouve dans toutes les bonnes maisons en Occident. Mm-hmm. Comment est-ce que vous mélangez cette... Oui, alors il faut quand même faire une précision. Habib Kouaté n'est pas un membre de Côté Bas. Habib Kouaté appartient un petit peu à ce que j'appelle un petit peu à l'ensemble de la galaxie Côté Bas. C'est un ami de Côté Bas qui travaille avec Côté Bas. C'est un associé, quoi. C'est un associé. Et à l'occasion de la tournée au Mali, donc, il était avec nous. Et c'est quelqu'un dont j'apprécie beaucoup la musique et qui, je pense, va dans le même sens un peu de ce que nous essayons de faire. C'est d'être contemporain sans céder à la mode du moment. Voilà, je crois que c'est tout. Et puis essayer d'être vrai, ne pas dire, bon, ceci marche aujourd'hui, et puis un tel a vendu, je ne sais pas, 100 000 disques. – Alors, quand on va écouter un deuxième aspect justement de la musique dans Côté Bas, avec les filles, oui, l'ego. – L'ego, hein, oui, oui. – On les écoute et on reparle après de cette, la tentation qu'il peut y avoir à partir et à être récupéré. Hein. – Tout à fait. – Regardez. Comment est-ce qu'on fait pour... Parce que bon, là, il y a du talent, hein, il y a de la graine. Oui. Et cette graine, si elle est tentée par les majors, comme on dit, comment est-ce qu'on réussit à rester soi, finalement ? Ben c'est dur. C'est dur. Non, non, c'est vrai, c'est dur parce que justement, nous sommes, y compris l'ego, parce que Dieu merci, elle partage les mêmes points de vue que Pourquoi nous. Pourquoi on dit l'ego d'ailleurs ? L'ego, c'est une expression courante d'Abidjan, ça veut dire ma copine, parce qu'en fait, bon, comme partout, l'anglais domine, les anglophones, les Africains anglophones, les Ghanéens, quand ils venaient à Abidjan, ils appelaient leur petite copine « my girl ». My girl, et c'est devenu Mago. Et à Abidjan, Mago, c'est ma copine. Et donc, le groupe s'est baptisé l'ego. Si elles veulent partir travailler en Amérique, en France... – Elles sont allées en Amérique. – Oui, elles ont été travailler en Amérique, mais elles sont revenues. – Elles sont... Mais oui, parce que il y a une comme... Parce que Côté Bas, c'est leur maison. Côté Bas n'est pas un employeur pour elles. Je crois que c'est surtout comme ça. Beaucoup de gens posent la question, comment se fait-il qu'elles ne vont pas, mais elles vont. – Est-ce que c'est à cause du recrutement ? Je crois que le recrutement. Parce que vous avez cette très belle formule, puisque le recrutement, c'est pas un recrutement, il y a pas, c'est dans les quartiers plutôt très populaires, où vous semble-t-il, il y a le plus de vitalité, puisque vous dites que je vais chercher ma troupe dans les réservoirs de vitalité. Je trouve que c'est une belle expression. Mais oui, non, parce que les quartiers populaires, c'est les quartiers qui ont le plus à dire. Et puis, je parlais tout à l'heure au début de cette culture en gestation. C'est dans ces quartiers-là, parce qu'on ne vit pas de faux semblants. Donc, c'est Côté Bas, c'est une solidarité, c'est une famille, c'est un nid, et on revient. Voilà, c'est un nid, on revient, c'est protecteur. Il y a même certains qui vont faire des aventures et qui reviennent. Ils vont, ils reviennent, et on est toujours là. Et particulièrement, l'expérience d'Ego est révélatrice en la matière, puisque là, aujourd'hui, elles en sont à leur troisième album. Et elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Elles sont toujours là, parce qu'aussi, les exemples en face de ceux qui ont tenté l'expérience de la world, c'est pas évident. Parmi tous les groupes, bon, vous voyez émerger Angélique Kidjo, que nous apprécions, avec qui nous avons travaillé d'ailleurs aux États-Unis, qui nous a fait l'amitié de venir sur notre album. Mais pour vivre, pour travailler, elle est obligée d'être aux États-Unis. Et elle nous le dit, elle l'a dit aux filles, moi je regrette mon Bénin natal, j'aurais voulu pouvoir faire mon métier au Bénin. Un mot encore sur la technique, et je voudrais qu'ensuite on termine sur l'idée de la sagesse et sur l'idée de la puissance qu'a donné l'Afrique, malgré l'image qu'elle peut avoir par ailleurs. Vous dites, et là on parle plus spécifiquement de la danse, trop de technique tue la vibration. Oui.
trop de technique tue la vibration, ou alors il faut la dominer jusqu'à ce qu'on puisse l'oublier. C'est pas non plus. Il y a aujourd'hui des jeunes chorégraphes qui vont chercher les Africains et qui les font travailler jusqu'à ce que mort s'en suive. Il y a un débat justement sur le problème de la chorégraphie africaine aujourd'hui. Vous savez qu'il y a des compétitions de danse africaine, de chorégraphie africaine, dont les orientations, les choix esthétiques ont été faits à Paris. Et alors, il y a un problème, il y a véritablement un problème. Il faut arriver, c'est vrai, à insuffler de la technique, parce que la technique, on en a tous besoin, mais si cette technique n'est pas maîtrisée, dominée, il y a problème, Donc nous renversons la vapeur, on parle d'abord de la maîtrise de notre patrimoine. On essaye de trouver dans tout ce que nous interprétons une certaine vérité qui nous est propre, quitte à ce que de proche en proche, en travaillant avec d'autres, parce qu'on travaille avec beaucoup de gens, en France, aux États-Unis, mais des gens qui ont l'intelligence de comprendre qu'ils ont à apprendre comme nous avons à apprendre d'eux. Celui qui arrive comme maître en disant c'est comme ça qu'on doit faire, je crois que ce n'est pas côté bas qu'il faut choisir. L'Afrique, ce qu'elle a à dire, dans les 12 derniers mois, nous avons reçu un certain nombre de créateurs africains. Je voudrais vous en faire entendre trois. Mmh. Et puis, je voudrais. Alors, il n'y a pas de discours dans ce qu'ils disent, il y a des phrases. Mmh. Et je voudrais vous faire réagir par rapport à l'écho que leur création ou leur réflexion suscite en vous. Écoutez-les. Alors, la magie dans le pouvoir est très, très importante en Afrique. C'est très très important et le dictateur que je présente a échappé à plusieurs complots à cause de la magie, à cause de sa maman, à cause du marabout qui était là. Et le dictateur, quand il assassine quelqu'un à cause de la magie, il l'émascule, il met le sexe dans la bouche. Parce qu'on fait ça. Ah oui, là, pour le coup, il y en a plein de livres. Il y en a plein. Je crois que l'autocensure, la censure et l'autocensure sont en partie à l'origine de la situation inextricable dans laquelle nous nous trouvons. Je me dois, c'est un devoir pour moi, en tant qu'Aminata, chercheur, avant d'être ministre, de me prononcer sur l'état des lieux dans mon pays. Je pense en toute modestie que cet éclairage pourrait peut-être aider les miens, les Africains en général, à recentrer le débat sur l'essentiel, c'est-à-dire où en sommes-nous dans ce qu'il a été convenu d'appeler le développement. Le combat que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas notre combat, c'est le combat pour les générations. Il faut accepter que nous, on ne verra même pas les résultats, mais il faut s'investir. Alors, Yolande Mukagazana, qui est une victime du génocide au Rwanda, qui a vu mourir ses enfants, son mari, et qui aujourd'hui fait partie du groupe belge, le groupe OFF, qui monte Rwanda 2000. Mm-hmm. Et puis, on a vu Kuruma, quand les bêtes sauvages auront le droit de vote. Mm-hmm. Et Aminata Traoré, qui est ministre au Mali. Qui a été ministre. quel est l'écho que vous avez de. Quand vous entendez ces trois créateurs? Mais je crois que c'est cette génération qui essaye de recentrer le débat. Comme l'a dit la dernière intervenante, il ne faut pas s'investir en espérant voir les résultats soi-même. Parce que le problème est vaste. C'est pour les générations futures. Et revenons à côté bas, ça fait 25 ans que nous existons. On a fait un travail qui, semble-t-il, est apprécié. On a formé beaucoup de gens. Mais il n'existe pas de statut d'artiste en Côte d'Ivoire. L'artiste n'existe pas. Le tailleur que vous voyez au marché, il existe dans la législation ivoirienne. L'infirmier existe, l'instituteur existe. L'homme de théâtre n'existe pas. Le chanteur n'existe pas. Le comédien, ça n'existe pas. Donc il n'y a pas de protection sociale. Vous pouvez le payer comme vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais nous continuons quand même parce que nous pensons qu'il faut continuer pour demain. Et quel écho à ce que dit Soti Kouyaté, qui lui est griot, que nous recevions il y a quelques temps. Mais l'accent
sur un aspect très superficiel du griot, qui est son côté conteur, chanteur ou troubadour, comme on dit. Alors que vous êtes un transmetteur. Surtout, c'est ça, mais des médiateurs, qui, par la médiation, qui est le griot, établissent l'équilibre dans les sociétés africaines jusqu'à nos jours. C'est un peu ce que vous faites aussi. Enfin, il y a une manière d'être de reprendre cet héritage-là. Oui, je crois qu'il a totalement raison. Le griot, comme il l'a dit, a été ramené à un aspect totalement superficiel. Le griot est une institution dans le monde mandingue. C'est une institution une institution qui détient une part de pouvoir comme les autres parties de l'institution. Et je crois qu'il faudrait peut-être reconnaître aux artistes aujourd'hui dans la société contemporaine africaine les droits et le respect qu'avait le griot dans la société traditionnelle mandingue. – Toute dernière question, Souleymane Colly, vous êtes à Douai, Festival des Météores. Vous faites une création samedi prochain, le 25 mars. Quel accueil recevez-vous d'un public qui, a priori, n'est pas un public africain, qui est un public d'une région minière? Quel est l'échange que vous pouvez avoir? L'échange se fait déjà. Parce que par ailleurs, vous faites des ateliers. Il y a toutes des activités annexes autour de la création théâtrale proprement dite. Tout à fait. Et comme le théâtre de Côte-Bas et tout le travail de Côte-Bas est un travail essentiellement urbain, il y a des échos. Les problèmes des jeunes à Abidjan ne sont pas très éloignés des problèmes des jeunes en Europe. Simplement, la culture et leur éducation font qu'ils le vivent différemment, ils l'expriment différemment. Mais il y a vraiment des échos, surtout dans la population jeune. Et en particulier le spectacle que nous allons présenter samedi, puisque c'est vraiment un parcours dans le milieu des enfants de la rue à Abidjan, Trècheville Story. Pourquoi êtes-vous si sage ? Pourquoi je suis si sage? Pourquoi donnez-vous l'impression d'être si sage? Je donne l'impression, alors moi je ne sais pas, mais je ne crois pas être sage. Si j'avais été sage, j'aurais continué à rester sagement au ministère et avoir mon salaire à la fin du mois. Valéria Brunet-Tedeschi, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit Souleymane Colly? Ce qui est, enfin, au début, quand il a commencé à parler, quand vous avez commencé à parler, ce qui est très rassurant pour moi, c'est toujours d'entendre les personnes qui font du beau travail et entendre parler de leur travail de façon comme ça, de façon si humble et comme un chemin qu'on ferait. Et voilà, juste chacun fait son chemin en essayant d'être honnête et en ayant comme seule direction, comme seul but de découvrir un petit peu de vérité. Et ça m'inspire beaucoup et ça me tranquillise beaucoup quand j'entends ou je rencontre des gens qui parlent comme ça de leur travail. Parce que c'est comme ça que j'ai envie, en tout cas, d'y penser, moi, à mon travail. Et c'est vrai que quand je vois des personnes qui sont comme ça, qui me donnent cette musique-là, ça me rassure. Vous connaissiez le travail de ce... Non. Non, mais ça me donne très envie de le connaître. Et alors, est-ce qu'il vous donne l'impression d'être sage? Donc, ce que vous entendez là, ça vous donne sage, une sagesse? Sage, ça dépend dans quel sens on prend le mot sage. Si c'est dans le sens... Celui qui peut donner. Celui qui a... Je ne sais pas exactement le sens du mot sage. Il y a un sens, en tout cas, qui est commode, qui est de commodité, de sagesse commode, qui me donne pas du tout l'impression d'avoir. Et puis, quelque chose à voir avec la sagesse, mais il s'en est très bien expliqué au début. Il a dit que c'est vrai que les gens qui se croient sages peuvent faire beaucoup de bêtises et peuvent amener les autres à... Ça, il y a une prétention dans le fait de se croire sage. Et c'est dangereux de se croire sage. Donc, mais effectivement, il me communique de la sagesse. Alors on va continuer cette conversation avec vous dans une seconde. Moment musical dans Des mots de minuit avec Tiou Simad, qui est un chanteur marocain, qui interprète ce soir Warwa, qui est un extrait de son album du même nom, Warwa. Il faut signaler qu'il a appris la musique rurale auprès des Bédouins de l'Atlas, c'est sa région natale, et qu'il a fabriqué lui-même son instrument. C'est une guitare à 8 cordes. Tiou Simad. –
ونشوفوا المسكين ما بقات ونشوفوا المسكين المعبكات ونبغي السمرة تجي لعندي نبغي العذراء الفاجي نبغي السمرة تجي لعندي نبغي العذراء القليب الفاجي واه 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 Simad, donc pour un album qui s'appelle Wahwa. Valéria Bruni-Tedeschi, deux actualités vous concernant. Un mois à la campagne d'Ivan Tourguenieff, mise en scène Yves Bonnen. C'est au théâtre de l'Athénée Louis Jouvet. Et puis un moyen métrage qui s'appelle Les Cendres du Paradis, prochainement en avril. C'est un film de Dominique Crèvecoeur. Pourquoi revenez-vous au théâtre ? C'est un aller-retour entre le cinéma et le théâtre classique ou... Je ne sais pas, oui, c'est classique, je ne sais pas. Mais moi, j'ai commencé par le théâtre avec l'école de Patrice Chéreau, de Pierre Roman. Et puis même avant, enfin, par des cours de théâtre. Au départ, moi, je me suis dit que j'allais devenir... Enfin, j'allais... Quand j'ai commencé à faire ce métier, c'était pour faire du théâtre. Et ensuite, pendant l'école de Patrice Chéreau et de Pierre Roman, on a aussi tourné des films. Et peut-être que j'ai eu plus de... Il s'est passé quelque chose... En fait, après, j'ai toujours plutôt décidé pour les tournages... plus que pour le théâtre, donc j'ai pris un petit peu un... On va écouter Chéreau. Donc avec Chéreau, vous avez tourné notamment dans Ceux qui m'aiment prendront le train, oui. Vous avez fait une figuration dans La Reine Margot, vous êtes apparu bon, par gentillesse et parce que c'est ce que vous pouviez lui donner, ce peu que vous aviez envie de lui donner. On va écouter Chéreau, c'est chez Chéreau qui parle en février 1983. Et c'était un journal de 13h, antenne de midi de février 83, et il parle justement de cette époque du théâtre des Amandiers où vous étiez... Vous étiez dans ce groupe qui constituait ses élèves. Je pense qu'une des choses qu'on doit apprendre à des comédiens, à des jeunes comédiens, c'est justement apprendre à travailler, apprendre à concentrer, apprendre à se mesurer avec leur propre force de travail.
Vous les faites entrer chez vous un peu comme on entrerait au séminaire. Tout ce qui est séminaire, tout ce qui est chose fermée comme ça est une bonne image de ce que devrait être un petit peu le théâtre. C'est-à-dire qu'il faut travailler, il faut s'enfermer un petit peu. Il faut à la fois avoir une grande observation du dehors et en même temps pour arriver à la reconstruire, pour arriver à reproduire gravement la réalité, il faut s'enfermer, il faut une cage dorée si vous voulez. Dorée peut-être, mais une cage quand même. Reportage de France Roche. Est-ce que vous étiez à l'époque dans une cage dorée? Est-ce que vous vous sentiez dans une cage dorée? Oui, quand j'ai fait l'école, oui. C'était vraiment ça. C'était à Nanterre, c'était pas à Paris. Donc je me souviens, pendant 2 ans, on a vraiment vécu à l'extérieur de la ville. On était, et même à l'extérieur de Nanterre, parce que le Théâtre des Amandiers, c'est un petit peu comme un lieu clos. Et en même temps... c'était très luxueux, on était, on travaillait pendant 2 ans. On était vraiment des enfants gâtés dans le travail. Quel écho quel écho de votre jeunesse ou de vos interrogations avez-vous pu apaiser dans la manière de travailler qu'inspirait Chéroux? Je n'ai pas compris la question. Non, mais vous vous enfermiez, vous sortiez de quelque chose d'une adolescence et d'un début de vie d'adulte qui était du questionnement. Et donc vous vous retrouviez dans une cage dorée. Est-ce que ça vous aidait parce que ça vous structurait? Est-ce que ça, pas du tout. Ça m'a pas du tout structuré, ça m'a pas du tout apaisé. C'était très excitant, mais c'était pas apaisant du tout. C'était parce qu'à l'intérieur de cette structure, disons, de ce théâtre, on était quand même 19 jeunes gens, jeunes, donc très à la recherche, en quête de quelque chose, tout le temps ensemble. – En confrontation avec ceux qui venaient jouer là, et donc… ça, c'était pas le problème, c'était très, très intense et en même temps pas du tout apaisant, c'est vrai que à la fois c'est un petit peu bizarre de dire ça, mais parfois c'était douloureux, c'était pas facile quoi. Et en même temps, la vie était facile pour nous. Donc il y avait une contradiction entre notre statut comme ça, un peu d'enfant gâté du théâtre, et puis le fait que c'était pas facile. On retrouve Chéroux cette fois-ci en 1998. Il répond à Laure Adler et il parle, lui, de son exigence de réalisateur par rapport aux comédiens qu'il fait jouer. Le metteur en scène, c'est un peu comme un entraîneur dans la mesure où un metteur en scène ne sert à rien s'il ne fait pas en sorte que les acteurs soient mieux avec lui que sans lui. C'est-à-dire soit aillent plus loin. Si on va plus loin à plusieurs que tout seul. Donc tous les moyens sont bons, à condition d'être attentif, comme ça, de regarder, de prendre le temps que les choses se fassent. Je crois que les choses se font avec du temps. Je ne crois pas aux choses improvisées. Comment est-ce qu'on joue avec Chéroux, vous comme comédienne et lui comme réalisateur? Est-ce que Chéroux est bien cet homme qui vous a fait sortir de vous-même, qui vous a parfois mis mal à l'aise, donc qui a obtenu plus de vous en vous mettant mal à l'aise? Oui, enfin, c'est pas la seule personne avec qui j'ai travaillé, donc j'ai eu d'autres rencontres importantes dans ma vie, mais c'est vrai que déjà c'était le premier. Lui et Pierre Armand étaient les premiers metteurs en scène. Lui, c'était le premier réalisateur avec qui j'ai tourné. Et c'est quelqu'un de très important pour moi parce que c'est un petit peu... J'ai toujours un petit peu dans la tête le fait qu'il va voir le travail que je fais. C'est un petit peu... ça a à voir avec l'image du père, un petit peu. Donc... alors, je pense que chaque personne avec qui je travaille fait sortir de moi des choses différentes. Je pense que lui, effectivement, il m'amène dans un endroit où personne d'autre m'amène. Quand vous dites que le travail du comédien, c'est une exploration, vous... Moi, je dis ça. Ouais. Oui, oui. Vous continuez à maintenir ce mot exploration. Oui, j'aime beaucoup ça. J'aime bien penser à une exploration parce que ça m'enlève cette obligation du résultat. Enfin, je trouve qu'un explorateur est intéressant juste parce qu'il explore. Pas parce qu'il le trouve. Ce qui est bien, c'est le, enfin, ce qui est,
comment dire, oui, ce qui est bien, c'est la quête et la recherche. Et donc, et déjà en cherchant les, déjà par exemple en trouvant les bonnes questions, déjà je trouve qu'on fait un grand pas. Parfois, j'essaye pas de trouver des réponses, juste j'essaye de trouver les bonnes questions. Je travaille peut-être trop sur la faille que sur la force. Il ne m'est arrivé qu'une fois d'interpréter un personnage dit sans problème dans Nénette et Bonnie de Claire Denis. J'étais l'incarnation du fantasme d'un homme. Je représentais une femme heureuse. Quand on répond aux bonnes questions, et vous ajoutez, mais quel est le problème du bonheur? C'est qu'on peut le perdre. Cette conscience-là m'a aidé à en trouver la fragilité. C'était, d'une certaine manière, c'était une belle exploration, celle-là. Hein. Oui, mais ça, par rapport à cette histoire de faille et de toujours chercher le déséquilibre d'un personnage ou d'un travail ou d'une situation, ça c'est vraiment quelque chose que Patrice nous a vraiment, s'il y a une chose qui nous a appris, c'est ça, c'est le fait que c'est dans le déséquilibre qu'on trouve le, eh ben le, quelque chose d'intéressant, que dans le si on cherche pas la faille et si on cherche pas la fragilité des gens, peut-être qu'on va moins en profondeur. Il y a une très belle formule, je ne sais pas si vous l'accepterez, mais je trouve que l'un de mes confrères critiques disait de vous que vous aviez une sensibilité de sismographe. Je trouve que l'expression est belle. Ah oui, c'est joli. Et elle me vient quand je vous entends parler comme ça, une sensibilité joli, oui. de sismographe. Alors, dans cette sensibilité de sismographe, il y a l'histoire qui vous rattrape, parce que un jour vous tournez dans le film de Calopresti, La Seconda Volta, c'était en oui. 1995, oui. Et là vous jouez le rôle d'une terroriste, hein, des Brigades Rouges, enfin d'une ex-terroriste des Brigades Rouges, et en même temps c'est un moment de réconciliation avec votre histoire, avec votre passé, et avec dans l'histoire ceci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jusqu'au bout de l'horreur, le défi des Brigades Rouges à l'Italie tout entière est devenu forfait, assassinat, Aldo Moro est mort. Le président de la démocratie chrétienne a payé de sa vie l'ignoble chantage imposé par les terroristes. Ils n'ont pas eu besoin d'un communiqué numéro 10 pour l'annoncer. Un simple coup de téléphone anonyme signalant une voiture piégée peu après l'heure du déjeuner, tout près du siège du Parti communiste. En fait, pas de voiture piégée, mais un homme assis à l'arrière d'une voiture. Un homme mort, Aldo Moro. Alors ceci a été très dur, ceci reste très dur, mais ceci vous l'avez réintégré, puisque vous avez été capable de jouer, en tout cas d'aller explorer comme comédienne, oui. Ces situations historiques de l'Italie. En même temps, ça reste oui. très dur, je vous vois réagir là. C'est juste que c'est les images elles-mêmes, elles sont frappantes, quoi. Moi, personnellement, le fait de faire ce film en Italie, ça m'a effectivement, symboliquement, c'était très important pour moi, parce que je tournais à Turin, dans ma ville d'où j'étais partie, donc à cette époque-là, des Brigades Rouges, à cause un petit peu d'une crainte que notre famille avait. Et donc, du coup, je retournais chez moi, j'étais une ex-brigadiste. Donc j'étais de l'autre côté et en même temps j'étais en prison, mais je sortais la journée pour travailler, et je rentrais le soir en prison. Donc il y avait aussi cette sensation comme ça d'expier une peine, quelque chose c'était assez. Je pense que j'ai pas encore compris exactement. À quel niveau ça m'a touché, mais c'était assez important pour moi. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est pour vous une manière de comprendre pourquoi une génération a pu éventuellement être oui. tentée par le terrorisme? C'était important en tout cas de faire face à ce problème-là et de le. Tout d'un coup, on me donnait la possibilité dans mon travail, par mon travail, qui est une chose
qui m'appartient, qui n'appartient pas à ma famille, qui n'appartient pas à mon passé, qui est chose du présent et de moi adulte que j'ai choisi. Par mon travail, j'allais voir quelque chose qui avait affecté mon enfance et mon histoire. Donc c'était sain, c'était quelque chose de sain. Le fait de partir très jeune d'Italie pour venir faire vos études en France, ça vous a donc cette Italie de des années de plomb qu'on évoquait par ces images. Comment ça vous a marqué? Est-ce que vous considérez que ça vous a abîmé, ou est-ce que c'était c'était une découverte supplémentaire, ou est-ce que les conditions de ce passage entre l'Italie et la France étaient telles que c'était douloureux? Je pense que c'est le mot abîmé, je n'utiliserai pas ce mot-là, mais je pense que c'est toujours marquant, le fait de quitter son pays. Tout à l'heure, quand j'entendais parler monsieur, vraiment il y avait cette histoire de racine, de l'importance de d'où on vient vraiment, et de pas s'en éloigner, de toujours se le rappeler, même si on n'habite pas dans le pays d'où on vient. Et donc, je pense que c'est très très important et marquant et violent dans la vie d'un enfant de partir de son pays, toujours. – Vous êtes italienne ?– Oui. – Et comment est-ce que vous débrouillez avec le français et l'italien ? Vous ne savez pas rouler les R en italien ?– Je sais rouler, grâce à ce film que j'ai fait. – Vous l'avez appris à rouler les R. – Réapprendre à parler ma langue de façon, digne, et je me débrouille pas tellement, parce que c'est un petit peu une situation un petit peu schizophrénique, comme ça, ces deux langues. Donc, je fais avec. Mais j'ai deux pays aussi, parce que la France, c'est aussi mon pays. Quelle est la langue de la maturité? Le français. C'est le français. Oui. Le français est plutôt la langue mondaine, disons, dans le sens vrai du mot, social, c'est-à-dire du monde, moi et le monde. Alors que l'italien est une langue familiale, une langue de cuisine que je parle chez moi, dans ma cuisine, une langue plus intime. On va parler est-ce qu'on peut parler de fracture? Tout à l'heure, je disais une sensibilité de sismographe. Je dirais aussi que vous faites partie, vous êtes la bienvenue de l'international des hypersensibles, d'une certaine manière. Vous avez adhéré très vite à cet international-là, parce que vous dites des choses comme « La peur est mon sentiment principal, quelque chose de familier dont je me passerai bien parce que ça m'empêche d'aller vers le désir. » Et il y a ces phrases qui sont dans la récurrence. J'ai toujours des machins dans la tête. Vous retournez vers un photographe, vous lui dites: sur les photos, on ne va pas penser que je suis folle. Mon seul matériau, c'est ce que je suis. Plus on a honte, plus on se cache. En craignant la douleur, on s'oppose aussi à la joie, au bonheur, à la vie. Je suis une insatisfaite, une enfant gâtée, et j'ai du mal à ne pas avoir d'incertitude, à ne pas douter. Dans mes films, je ne suis jamais à mon avantage. Dans la vie aussi, j'ai du mal à me mettre en valeur. Mais attendez, vous êtes très bien dans vos films. Ça, c'est... Oui. Vous êtes excellente, quand même. Merci. Je ne sais pas. Non, mais alors, je poursuis, parce que ce serait trop flatteur et trop flagorneur. Mais est-ce que ça veut dire que vous ne faites aucune différence entre ce que vous réussissez à mettre au jour dans vos films et ce que vous êtes? Ce que j'arrive à mettre au jour dans... Quel que soit le travail, mais c'est forcément de vous qui est dans le film. Oui. Et c'est pas l'acteur qui fait. Hein. Enfin, l'acteur, c'est moi. De moi ou de ce que je vois autour de moi, parce qu'on parle de soi, mais on parle aussi, par exemple, parfois il y a des personnages que je travaille avec le mimétisme, donc il n'y a pas que soi, on travaille aussi avec l'observation, on travaille aussi avec les souvenirs, Mais vous n'endossez jamais un rôle, quasiment. Il y a des comédiens qui disent, et on en a reçu récemment sur ce plateau, qui disent: ben non, moi je vais là, je fais ce qu'on me dit de faire, finalement. Oui. Ce qui ne les empêche pas d'être très bons par ailleurs, ou très mauvais, enfin peu importe. C'est vrai que je pars de moi, mais j'aime bien aussi les personnages un petit peu me déguiser, par exemple. J'aime bien me déguiser. Mais je pense qu'au fond, mon cœur c'est toujours le mien, et mes mains c'est toujours les miennes. Mes pensées, vous savez ce que dites-vous, pensées. Laurence Ferreira Barbossa? Non.
Elle a besoin d'aller dans ses tourments pour progresser. C'est vrai que j'ai besoin d'aller, même pour trouver la joie, j'ai besoin d'aller là où ça fait mal avant. Extrait du film de Laurent, justement, de 1994, que d'ailleurs le producteur Paolo Branco nous offre, enfin il nous offre un extrait gracieusement, ce qui est à souligner parce que c'est exceptionnel. Et ça s'appelle « Les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel ». Et c'est un peu le prototype des personnages, en tout cas des rôles qu'on vous fait souvent jouer. Regardez. Allô, Madame Dumont ? Ah pardon, je ne suis pas chez Madame Dumont. Ah bon, vous avez la même voix que votre femme. Oui. Elle a dû certainement vous parler de nous, les établissements Saint-Nicolas. Oui, je sais qu'elle est intéressée. Aménagement de salle de bain, oui. Et donc, oui. Non, je sais que... Ah non, mais attendez, je me doute bien que vous avez déjà une salle de bain, heureusement pour vous. Mais là, il s'agit d'aménagement, vous me comprenez ? Ah non, mais attendez, écoutez-moi, monsieur Dumont. Je suppose qu'elle n'est pas la seule à utiliser la salle de bain. Bon, d'accord. Alors, nous vous proposons des éléments modernes et fonctionnels dans une gamme de coloris agréables et variés qui puissent donner une chaleur et une intimité à cet endroit qui en manque habituellement. Ah mais puisque je vous dis que votre femme est intéressée. Non, mais pas du tout, c'est pas moi qui crie, c'est vous. Alors, vous êtes un peu culotté quand même. Mais quel ton. Mais vous croyez que ça me fait plaisir à moi de qu'on me parle sur ce ton. Allô. Ah oui. Attendez, monsieur Dumont, vous vous êtes entendu avec votre voix de crécelle. Bonjour, madame. Non, au contraire, c'est vous qui devrez aller vous faire soigner. D'accord. Oui, c'est ça, la politesse, c'est ça. Eh ben, vous savez quoi. Je t'emmerde, moi, vieux chausson. Prototype de personnage qu'on vous fait jouer. Oui, non, c'est le mot prototype qui est toujours qui est un peu parce que c'est vrai qu'on moi je fais pas des prototypes. Je sais. Et donc non, mais c'est vrai que c'est ce que les gens peut-être reçoivent après, mais moi personnellement, avec j'ai une pas manière, l'impression de faire toujours la même chose. Avec une manière de la critique, de le dire est mal parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'on vous enferme là-dedans. Et par exemple, je lis, mais je citerai pas. Née dans une demeure princière, fille de la haute bourgeoisie italienne, sœur d'un top modèle, Valeria Bruni Tedeschi souffre d'anxiété chronique depuis que sa famille a subi des menaces d'enlèvement des Brigades Rouges et les rôles de névrosée que lui confie le cinéma sont sa thérapie. Ça, c'est dans un hebdomadaire tout à fait renommé. On ne va pas citer parce que j'ai simplement mis une tête non, de mort. Bien, ouais. Je trouve que c'est pas très bien de dire ça parce que finalement, effectivement, ça vous enferme dans un... En même temps, moi, je pense qu'on peut pas, m'enfermer, on peut pas nous enfermer. Marlène Amard dans le Nouvel Obs. Hein. Personne peut enfermer personne, et je pense que voilà, la seule chose que j'ai envie de penser quand je lis ça ou j'entends ça, ou c'est déjà que les gens sont libres de me voir avec comme un prototype et comme quelqu'un de. Voilà, c'est leur droit, c'est leur liberté. Et moi, par contre, de mon côté, je suis libre de penser à mon travail comme monsieur, comme un chemin. Et voilà, je m'en fous. Et peut-être qu'effectivement, si les gens m'enferment aussi dans une image, c'est que moi-même, je me suis enfermée un petit peu. Et que c'est peut-être... C'est le moment d'en sortir ? Mais moi, je pense que c'est toujours le moment d'avancer. C'est toujours le moment d'avancer et c'est jamais le moment de s'arrêter. Et c'est toujours le moment d'essayer de grandir. Et voilà, et on fait ce qu'on peut pour essayer de grandir. Bon, je sais que vous n'allez pas aimer parce que je vais ouvrir une porte que vous regrettez d'ouvrir. Pourtant, c'est très drôle. Alors, vous me pardonnerez. Un jour, le magazine que je citais il y a une seconde, le Nouvel Obs, fait une interview double de vous et de votre sœur. Carla Bruni, et ça donne à peu près ceci, donc pour vous,
pour montrer un peu le lien qui existe entre vous deux, qui semble être un lien, alors je ne sais pas et je ne vous poserai pas la question, mais un lien très très intéressant, un peu de chat et de la souris. Donc par exemple, vous répondez sur vos études, j'ai fait une hypocagne à Molière et un mois à Cagnes et à Fénelon, mais Cagnes c'est étouffant, j'aimais la littérature, je me suis dit comment rester en contact avec les textes et vivre en même temps. De cette question est né mon désir d'être comédienne. Carla Bruni, moi je me suis présentée à l'agence City avec une photo maton. Nouvel observateur, vous avez appris votre métier à l'école des Amandiers avec Patrice Chéreau, dans la même promotion que Mariam Denicourt et Vincent Pérez. C'était plus qu'une école, on avait 2 ans à vivre tous ensemble, c'était comme un voyage sur un bateau. Disons que ce que Patrice m'a appris, c'est qu'on donne des choses intéressantes quand on est déstabilisé. Carla Bruni, résultat, ça fait 10 ans qu'elle est déstabilisée. Nouvel obs, comment vous déstabilisez-t-il avec Carla Bruni, avec Valéria, c'est pas dur. Valéria Bruni Tedeschi, il n'y a pas de mode d'emploi, j'ai une image qui me vient à l'esprit. Pendant le tournage d'Hôtel de France, de Chéreau donc, après une scène, il m'a dit, affirmé avec obstination et bienveillance, tu peux me donner plus. Carla Bruni, on n'obtient rien de Valéria par la violence. Valéria Bruni Tedeschi, sauf quand on sent l'amour derrière la violence. Je veux dire, Carla Bruni, vraiment Valéria, tu as pris au moins 7 secondes de cassette pour rien dire du tout. Valéria Bruni Tedeschi, je voulais parler du masochisme de la part en moi qui est masochiste. Freudisé, 3 petits points. Bon, c'est joli. On ne pousse pas plus loin la porte parce que je sais que vous n'aimez pas ça, mais c'est aussi beau, finalement, cette complicité qui oui. semble vous unir. Oui, puis c'est drôle, mais surtout. Non, mais ce n'est pas ça que je me remets en question, c'est juste le fait de la donner à un journal. C'est ça que c'était un petit peu, moi je pense, une erreur, en tout cas de ma part, que je ne referai plus. C'est-à-dire que je pense que mais je en même donne... temps, vous donnez du bonheur. Non, mais moi, je n'ai pas envie de donner du bonheur dans un journal, ou en tout cas pas donner du bonheur avec ma vie privée dans un journal. Voilà, c'est ça plutôt. J'ai envie, si je peux, donner un petit peu de joie à quelqu'un, c'est avec grand plaisir, mais avec mon métier, avec mon travail, dans les films ou dans les pièces. Et je pense surtout que c'est trop... On paye trop cher le fait de donner ça... par ailleurs. On a ri un peu quand même. Hein. Vous nous pardonnez. Un mois à la campagne, Tourguenieff. On va regarder un extrait, puis je vous poserai pour terminer une question plus générale, puisque cette femme, quand même, Natalia Petrovna, est quand même une femme qui pose toutes les questions aujourd'hui des rapports, de la manipulation. On regarde tout de suite un extrait de cette pièce. Pourquoi me regardez-vous assis ? Je vous regarde. Je suis heureux. Michel, quel bonheur ce jardin. Bonjour, le vent. Vous êtes douce et sereine comme un soir après l'orage. Après l'orage ? Parce qu'il y a eu de l'orage ? C'était dans l'air. Vraiment ? Vous savez, Michel, je ne peux pas m'imaginer d'homme meilleur que vous. Vrai ? Non ? Laissez-moi aller jusqu'au bout. Vous êtes indulgent, affectueux. Constant, vous ne changez pas. Je vous dois beaucoup. Natalia Petrovna, pourquoi me dites-vous cela, là, maintenant ? Je ne sais pas. Je suis gaie. Je me détends. Ne me défendez pas de bavarder. Vous êtes bonne comme un ange. Vous n'auriez pas dit cela ce matin. Alors ? Pourriez-vous ? Je ne peux pas voir. Je ne peux pas voir. Parce non, que vous je avez joue dit je ne peux pas voir et vous êtes bouché les oreilles, ce qui est quand même antinomique. Non, mais je ne peux pas. C'est difficile quand on joue le soir. J'avais jamais vu de vidéo du spectacle, ni rien. Donc, c'est difficile de se voir comme on joue tous les soirs. En revanche, vous pouvez nous dire la manière dont vous recevez cette femme. Donc, cette femme qui est une bourgeoise, nous sommes au siècle dernier en Russie, et qui crève de la convention et qui essaie de se laisser à l'amour qu'elle éprouve pour le précepteur de son fils. Oui, qui lutte pour ne pas se laisser aller à cet amour, qui lutte pour garder le contrôle de la situation. Et qui a par ailleurs le besoin de s'abandonner, qui est plus fort. Donc il y a ce conflit en elle. Et,
qu'elle ne réussira pas à résoudre, puisqu'elle elle va flinguer tout ce qui tourne autour d'elle, quoi. Oui, enfin, un petit peu quand même. C'est vrai qu'elle va, elle va faire beaucoup de dégâts, elle va faire du mal. D'ailleurs, pas de façon joyeuse, quoi, en souffrant. Il y avait cette question, est-ce qu'elle prend de la joie à manipuler, à faire du mal ou pas? Et moi, je pense pas. En tout cas, moi, j'ai éprouvé plus de la douleur dans cette manipulation, on comme imagine. Ça. Et, mais c'est intéressant parce que malgré tout, elle continue pour arriver à son but. Et Natalia Petrovna, c'est exactement le contraire de ce que vous êtes dans la vie, je suppose. Non, non, pas du tout. Sinon, je pourrais rien faire si c'était, enfin, le contraire. Je ne sais pas ce que c'est le contraire. On ne vous, imagine pas manipulatrice. Ah d'accord. Bon, enfin, on va dévoiler le personnage. Oui, je pense que je suis. Non, mais moi, je me sens souvent, je me sens très différente de ce que je suis. C'est-à-dire cette sensation d'être une imposture. Hein. Oui. C'est absolument normal. Normal. Non, je sais. Ouais. Non, mais je me sens pas originale d'ailleurs. Mais je veux dire, je pense qu'on est beaucoup. Dans la façon dont vous le dites, parce que c'est vrai qu'on vit dans une société où il faut être absolument clean, propre. Que des gens disent leur souffrance, c'est devenu quasiment intolérable. Oui. Non. Mais là, c'est même pas la souffrance, c'est le fait, par exemple, de manipuler, ou c'est le fait, je pense que j'ai pas l'air, mais oui, je pense qu'on se manipule tous un petit peu les uns les autres. Et bon, après, il faut voir les limites de cette manipulation. Il faut voir l'intention. L'intention, elle a les raisons, mais bon. Parce qu'il y a une manipulation qui s'appelle simplement de la séduction. Oui, oui. Hein – Souleymane Colli, qu'avez-vous entendu de Valeria Bruni Tedeschi ?– Je suis très frappé, je ne connaissais pas Valeria, je ne connaissais pas son travail, mais en même temps, je suis très frappé de la fragilité des situations qu'elle vit et en même temps le doute permanent. C'est-à-dire, vous savez, on a l'habitude de nous, je parle toujours par rapport à l'Afrique, hein, on a toujours l'habitude de nous présenter en Afrique des hommes, des femmes, des personnages, des gens sûrs d'eux, sûrs de leur fait, des gens qui savent. Et finalement, on a l'impression que le doute n'existe pas ici. Et voir quelqu'un qui fait bien son métier et qui, semble-t-il, est connu, qui continue à douter, qui estime que créer, ça ne peut se faire que dans une situation de faille, de manque, et qu'il n'y a jamais finalement de situation acquise, je crois que c'est autant d'images qu'on devrait nous apporter en Afrique. Parce que nous doutons et nous avons honte de douter chez nous. On voudrait en permanence venir avec des choses sûres. Et quand on dit... – Chez nous aussi, je veux dire, il y a un des aspects de la pensée unique. – Oui, tout à fait, tout à fait. Et là, je crois que c'est ça que je retiens le plus. – Valeria, avant de passer à la deuxième partie de l'émission, je voudrais conseiller, et ensuite vous les offrir, parce que conseiller le siècle de la psychanalyse, Désir Payot, c'est une biographie de Freud par Emilio Rodriguez. Emilio Rodriguez est un vieux psychanalyste argentin, et c'est sans doute un des travaux très très intéressants sur la fracture, on en parlait tout à l'heure, et sur les faiblesses humaines, les faiblesses humaines de Freud. Et c'est bien de voir qu'on peut être faible et génial en même temps. Ça donc je conseille vraiment, parce que c'est... Et je pense vraiment que c'est quelque chose qui vous intéressera. On l'a lu dans l'équipe et on l'a découvert avec vraiment beaucoup de plaisir. Et je crois que ça va bien avec vos interrogations. Merci. Vous restez avec nous. On va passer à Eteni Vos Portables, donc à l'actualité culturelle, et ceci dans une seconde. Dans l'actualité culturelle, il y a bien sûr le printemps des poètes, dont Mahmoud Darwish est l'invité d'honneur. Pour célébrer, entre guillemets, à notre manière, ce printemps des poètes, je vous propose d'écouter une lecture d'André Velter, qui s'appelle Planisphère et qui est extrait de son recueil La vie en dansant.
Je ne cherche pas d'image dans les songes, mais dans l'inconnu du monde. Aux rives de la terre et en tous lieux inhabités, aussi bien sous le ciel millimétré des Almagestes que près des récifs de vieux Portulans, même si mes regards et mes pas sont d'abord accordés aux grandes dépressions de sable, d'herbe ou de neige. Chaque tracé porte mes caravanes qui vont interminablement d'égarements en bivouac pour oublier le but et se mettre à distance, sans épices, sans houppelande, ni porcelaine, ni encens. Un jour, elles sont en Judée chargées de manuscrits, ou bien près du Rio Grande aux portes d'Albuquerque avec des caisses de bière et des caisses de fusils. Il n'est pas de parcours étroit dans un atlas qui met le centre au pôle, aux sources du Gange, au cœur de l'Amazone. Lignes, courbes, chiffres, latitudes, longitudes n'ont plus souci du labyrinthe à sens unique, avec sortie par le guichet d'immigration. La vie est dans les marges et tout est no man's land. Une carte dépliée, c'est Byzance, à deux battements de cils de Novgorod. C'est les îles de la Sonde sous le vent des Marquises. Un cavalier qui passe à gué de Cadix à Tanger. C'est Katmandou, Lhasa, Srinagar, Dehradun, Yarkand, Kaza, Kelong, Benares, Darjeeling, sous l'empire espéré d'un Kanishka troisième du nom. Je fais tourner le globe et garde la tête chaude. Quelle raid nous allons mener, Gengis ? Quelle merveille nous allons compter, Messire Polo ? Quelle chimère nous allons forcer plus à l'est que Choma ? Partout nos courses à l'estime sont exactes. Nous avons nos chamans, la science du vide au ras du sol, et ces zones sans fin où ranimer nos âmes mortes. La route va où elle veut. Et je ne déroute que moi par instinct ou caprice, comme on prend le premier train qui part, le premier bus qui klaxonne au matin, le premier bateau qui frémit au bout de l'embarcadère, comme on s'offre un nouveau destin sur le papier et la chance d'être plus que soi, ailleurs. André Velter, donc, manière de, pour nous de parler de, du printemps des poètes. André Velter, France Culture, Le Monde, Goncourt de la poésie. Il a deux passions dans sa vie, ce sont les voyages au long cours, les voyages très, très lointains, et bien sûr la poésie. Dans l'actualité culturelle, ce soir, nous nous arrêtons sur publié à La Dispute un travail collectif dirigé par Jean-Yves Mollier qui s'appelle « Où va le livre ?». Nous parlerons ensuite de l'affaire des Sombres qui est au Forum des Images jusqu'au 1er avril, qui est un spectacle complet. Nous en parlerons avec Olivier Delcroix. Messieurs, vous nous avez rejoints il y a une seconde. Jean-Yves Mollier, vous êtes professeur d'histoire contemporaine. Vous dirigez également le Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines à l'Université de Versailles. Et vous avez dirigé ce collectif qui fait un état des lieux de l'édition aujourd'hui. C'est le moment ou jamais de s'arrêter sur ce livre, puisque le Salon du Livre s'achève. J'aimerais donc vous demander quelles sont les cinq ou six idées forces qui conclut votre travail collectif. Avant, si vous me permettez, je dirais d'où nous sommes partis. C'est-à-dire que depuis un an, au fond, depuis qu'André Chiffrin, l'Américain, a publié l'édition sans éditeur, tout le monde y est allé un petit peu de sa note, critique ou pas, en essayant d'expliquer qu'on allait vers la catastrophe. J'ai donc voulu effectivement réunir un groupe avec moi, une douzaine de collaborateurs, pour essayer de savoir si on allait véritablement vers une catastrophe ou si au contraire il y avait encore un avenir pour le livre. Vous êtes plutôt optimiste. Plutôt optimiste, en ce sens que le livre ne se trouve pas pour la première fois confronté à des dangers ou à des concurrences. Après tout, la presse a été un moment une sorte d'ennemi du livre au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle. Il y a eu ensuite le cinéma, la télévision et bien d'autres formes. Donc aujourd'hui, il rencontre effectivement une sorte d'obstacle, mais un obstacle parce qu'il ne le maîtrise pas. C'est l'informatique, c'est le e-book, vous savez, ce livre électronique qu'on a montré. – En grand stand au Salon du Livre. – En fait, le livre n'a pas toujours existé sous la forme que nous connaissons. On a d'abord lu sur des rouleaux de papyrus, de parchemin. Ensuite, on a lu sur des cahiers, mais on était encore à l'époque du manuscrit.
Ce n'est qu'à partir de 1440 ou 1450 qu'on a commencé à lire des livres imprimés. Donc le fait que l'on va changer de support partiellement ne condamne pas pour autant le livre. Donc déjà, le livre me semble avoir deux avenirs qui vont se conjuguer. Il va demeurer un avenir pour le livre papier tel donc que nous connaissons. Qu'on pourra toucher, quoi. Qu'on pourra sentir, parce que le livre a une odeur, qu'on pourra toucher. Annoter. Qu'on pourra annoter, bien entendu. Et puis il y aura d'autres formes de livres qui seront lus sur un écran. Et pas de concurrence avec Internet. Pas de concurrence, je pense véritable. Plutôt à une complémentarité. C'est-à-dire qu'on va utiliser avec l'écran une nouvelle manière de travailler. Par exemple, si je veux en pleine nuit me comparer trois éditions, bien entendu, l'écran est supérieur au livre. Si en revanche j'ai envie de lire un poème, ou de lire une pièce de théâtre, ou de lire un roman, c'est évidemment le papier que je vais prendre, parce que je vais le lire couché, allongé, assis. Tout le corps joue dans la lecture. Si on ne prend pas ça en compte, on risque effectivement de se contenter d'un scénario catastrophe. J'ajouterai qu'il y a d'autres raisons pour demeurer optimiste. Chaque année, les bibliothèques gagnent 1% de lecteurs dans un pays comme la France. Il 6 y a... millions et demi, hein, cette année. Oui, c'est ça. On est à 6 millions et demi. Il y a de moins en moins de foyers qui ne possèdent pas de livres. Alors qu'il y a 20 ans, on constatait qu'au fond, les foyers relativement aisés hein, avaient des livres, les autres n'en avaient pas. On peut aussi considérer que le livre pénètre partout. On ne l'achète plus simplement dans les librairies, on l'achète dans les grandes surfaces. Certains s'en plaignent. Moi, non. Il n'y a, pas une inquiétude sur le fait que dans votre étude, vous dites qu'aujourd'hui, 80% des livres en France sont des livres de commande. Oui, alors ça, c'est un autre phénomène. Ça veut dire qu'on fait du commerce. Et alors, deuxième aspect de la question, est-ce que le commerce ne va pas manger la création littéraire? D'une certaine manière, le commerce est né avec l'imprimerie. Les premiers imprimeurs avaient certes un projet humaniste, je pense à Aldemanus, ou évidemment à Gutenberg, mais en même temps, les premiers imprimeurs voulaient gagner de l'argent. Donc ça n'est pas une nouveauté. J'ai écrit il y a plus de 10 ans une histoire du capitalisme d'édition pour montrer que les Louis Hachette, les Pierre Larousse, les autres éditeurs, à la fois avaient un projet intellectuel et en même temps, évidemment, voulaient s'enrichir, voulaient devenir des bourgeois du siècle dernier. Ça n'est pas nouveau. Ce qui est peut-être un danger, c'est le fait qu'il y ait une surconcentration et qu'il n'y ait plus assez d'espace pour les jeunes créateurs. Havas, Hachette, enfin c'est... Voilà, les deux grands groupes. Mais en même temps, je les crois suffisamment intelligents pour demeurer à l'écoute des petits éditeurs. Car en permanence, les grands groupes rencontrent des problèmes de rigidité des structures. Et ils sont obligés de regarder ce qui se passe à la périphérie du champ éditorial, là où des jeunes dynamiques entrent, ont des projets. J'ai essayé de le montrer dans deux chapitres. Il y en a un qui est consacré à l'édition de jeunesse. Jamais on n'a fait d'aussi beaux livres pour les enfants. À l'heure actuelle, on fait des livres pour les enfants de 6 mois. Ça paraît une hérésie, à 6 mois, aucun enfant ne peut savoir lire. Mais on trouve déjà des formes qui vont permettre d'associer les parents, les frères, les sœurs, pour les amener à lire plus tard. Et la deuxième raison d'espérer, c'est que Paris n'est plus tout à fait le centre de l'édition. Actes Sud en Arles, et puis bien d'autres maisons d'édition. Petites maisons d'édition hein. Des dizaines, des centaines de petites maisons, citons-en quelques-unes. Jeanne Lafitte à Marseille, Jacqueline Chambon et bien d'autres ont montré qu'on pouvait travailler. Et les éditeurs, les grands éditeurs sont très sensibles à ces phénomènes. Bon, pourquoi dites-vous que l'avenir du livre, c'est le libraire ? Ça, c'est un autre phénomène. On peut dire qu'au début du livre, à l'époque de Gutenberg, c'est l'imprimeur qui a dominé la chaîne des métiers du livre. Ensuite, vers 1800-1830, ce fut l'éditeur, souvenons-nous d'Illusion perdue de Balzac. Puis, dans les années 1960, c'était la distribution. Aujourd'hui, on se rend compte d'un nouveau phénomène qui est né aux États-Unis. Ce sont les chaînes de librairies qui, à l'heure actuelle, commandent véritablement tous les métiers du livre. Dans une grande librairie américaine, je pense aux chaînes Barnes & Noble, pour avoir vos livres sur une table, vous payez $1 par livre. On n'en est pas là, Dieu merci, en France. Mais dans la mesure où les grandes chaînes de librairies deviennent un instrument fondamental, on est en train de glisser vers l'aval de toute la chaîne des métiers du livre. Il peut y avoir un danger si les libraires ne veulent vendre que des best-sellers. Si en revanche les libraires, je pense notamment aux libraires indépendants, s'associent pour continuer à promouvoir le livre de qualité, alors il n'y a pas de danger. – Petite question à la ronde pour conclure cette brillante explication, sur, enfin en tout cas sur votre travail. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire, Soleiman Colli, au jour d'aujourd'hui ?– Au jour d'aujourd'hui, quand les bêtes sauvages auront le droit de vote, justement. – Ah bah, voilà, le Kuruma, donc. Valéria, qu'est-ce que vous êtes en train de lire quand le théâtre vous en laisse un peu de temps ?– Moi, aujourd'hui, enfin hier, avant-hier, j'ai acheté un livre qui s'appelle « L'instinct du ciel ». Je ne me souviens plus l'auteur.
L'instinct du ciel. Bah, ouais. Alors, comment est-ce que vous, comme lectrice, comment est-ce que vous faites pour acheter des livres? Ben, moi, j'adore aller en librairie. J'adore vraiment, mais même parfois, comme je peux dire, je vais au cinéma ce soir ou je vais au cinéma cet après-midi. Vous sentez, je dis, vous... je vais, cet après-midi, je vais en librairie. Donc, je passe 2 heures, j'adore. C'est vraiment. Et là, je me balade, parfois j'achète rien, et parfois j'achète plein de livres, et parfois j'en achète un que je lis pas, mais j'aime ce moment-là de la librairie. Jean-Yves Mollier, que disiez-vous actuellement? Malheureusement, en ce moment, j'étais dans l'obligation de lire 40 tests absolument abominables. Donc, j'aurais fini pas samedi. Gentil pour les études, j'aurais fini samedi. Non, c'est gentil. Chaque thèse est intéressante, mais quand on en a 40, une accumulation, c'est absolument abominable. En revanche, à partir de samedi soir, je me remets à lire de la poésie. J'adore lire la poésie du 19e siècle, je connais moins celle du 20e, j'en relis chaque fois que je le peux. Un auteur? Baudelaire, chaque fois que j'y peux, je peux y revenir, mais aussi Nerval, que j'aime beaucoup, et puis je lis sans arrêt des romans. Alors allez-y, vous qui nous entendez. Olivier Delcroix. À propos de poésie, justement, moi je lisais le poète Yvon Lemaine, dont un livre, un recueil de poésie qui compulse un petit peu toute son œuvre vient d'être édité chez Flammarion. Ça s'appelle « Le temps des tempêtes ». C'est très, très joli. Et puis sinon, j'ai lu Anna Gavalda. J'aimerais bien que quelqu'un m'attende quelque part, au Dilettante, qui est vraiment là aussi une toute petite maison d'édition. Et pour le coup, 80 000 exemplaires pour un tout petit livre de nouvelles, c'est extraordinaire. Et les résultats, vous allez au spectacle et vous allez nous parler de l'affaire des Sombres. Et des Sombres était donc un peintre du 19e siècle. J'ai la plaque même, figurez-vous. J'ai rencontré Benoît Peters et Françoise Cuitaine, on dit. Hein, et ils m'ont donné en fait la plaque. Ici vécut le peintre Augustin des Ombres, 1869, puis on ne sait pas la date. Visiblement, c'est un peintre très, donc très c'est un méconnu. Peintre mystérieux. Mystérieux qui a disparu, qui vivait à Paris à la fin du 19e, qui a été fait partie de, je dirais, tous ces peintres un petit peu pompiers, et puis qui tout d'un coup a eu une rupture dans sa vie, est parti sur les hauts plateaux de l'Aubrac, a trouvé une maison sur laquelle il a peint des fresques, un peu comme Goya dans la Quinta del Sordo, à la fin de sa vie, peignait à même les murs. Et puis il a disparu mystérieusement. Maison est devenue un musée, et puis en 89 elle a été détruite. – Alors François Cuitaine, Benoît Peters et Bruno Le Thor font un spectacle autour de l'enquête qu'ils ont menée pour retrouver… – En fait c'est ça, le principe je dirais de ce spectacle vivant… – Multimédiatique. – Multimédia, oui, non mais vous aviez tout à fait raison en disant multimédia, parce que c'est vraiment ça, c'est partir d'une enquête, c'est un petit peu l'affaire des ombres, c'est un petit peu, je dirais, les aventuriers du peintre perdu, quoi. On est un peu à la traversée du miroir, on est un peu à la recherche comme Orphée, je dirais, Orphée en pays, de bande dessinée. Parce que Luc et François Cuitaine étaient dessinateurs de bande dessinée, ils ont rencontré Benoît Peters et en fait depuis 17 ans ils établissent une saga, la saga architecturale des cités obscures. Et en fait à chaque album depuis 17 ans, donc c'est vraiment quelque chose de. C'est une lutte de longue haleine, une saga architecturale de longue haleine, ils vont visiter Paris. Mais qui n'est pas le Paris qu'on connaît, qui est le Paris P-A-H-R-Y, Alexis, des cités comme ça, obscures, la chambre obscure, et le peintre s'appelle Des Ombres, et c'est évidemment pas un hasard. – Et le document que nous allons voir est extrait du spectacle. – Exactement, qui, c'est un film en 35 mm tiré du Musée des Ombres. – Allons-y. – C'est à Bourg-en-Bresse qu'il était né, le 22 septembre 1869. Son père, un orfèvre réputé, l'initia dès son enfance à l'art du dessin. Augustin des Ombres garda le souvenir d'une nuit entière passée à recopier des bustes ou à parfaire un dégradé. En 1890, le jeune homme fut admis à l'atelier de Jérôme, alors au sommet de sa gloire. Le talent et la passion qui animaient Augustin des Ombres lui valurent bientôt l'estime du maître, qui lui demanda de l'assister pour plusieurs de ses grandes compositions. Voilà donc un extrait de spectacle, mais il y a aussi de la musique. Voilà, c'est ça. Il y a effectivement le principe du spectacle. En fait, moi, je suis vraiment un fanatique de l'œuvre de Benoît Peters et Françoise Cuitaine depuis donc une vingtaine d'années. Et quand on m'a dit c'est un spectacle multimédia, tout d'un coup, on passe de la deuxième dimension à la troisième dimension, puis à la quatrième, puisqu'en fait, tout d'un coup, on se retrouve avec des acteurs, avec une musique.
J'ai eu très peur. Je me suis dit, est-ce que finalement, l'œuvre bande dessinée, qui se construit depuis 17 ans sur un support papier, on parlait du livre, et la bande dessinée aussi, quelque part, défend, je dirais, l'envie d'avoir un livre, de le lire dans le métro, de l'avoir partout. C'est vrai qu'on ne peut pas partir comme ça au bout du monde avec un ordinateur, et c'est pas amusant. Donc, moi j'étais très, très attaché à l'œuvre papier. Et je me disais, bon, c'est deux dimensions, passer en trois dimensions, se retrouver comme ça dans un spectacle, dans un auditorium, avec des musique, avec des comédiens, des bouts de films. Je me disais, c'est très très dangereux, est-ce que finalement ça va marcher? Et puis oui, ça marche extraordinairement, ça donne même une poésie supplémentaire à l'univers des Cités Obscures de Chuiten Peters. – Dernière question, on a l'impression que finalement le spectacle est beaucoup plus important que la vie de ce peintre-pompier dont tout le monde ignore la réelle existence. – C'est parce qu'il est mystérieux que le spectacle est important. Une enquête est toujours beaucoup plus importante, parce que c'est un petit peu la quête du Graal, c'est ça qui est amusant, c'est de découvrir finalement qui est Augustin des Ombres, a-t-il existé? Normalement, des Ombres, c'est entre Desnos et Despio. Despio était un sculpteur, Desnos était un poète, et des Ombres est qui? Alors est-ce une ombre? Est-ce un peintre? Est-ce qu'il est pompier? Est-ce qu'il est génie? C'est à vous de voir ça. La question qu'on laissera poser, c'est est-ce que des Ombres a vraiment complètement existé? C'est bien toute la problématique du spectacle. Exactement, c'est la traversée du miroir. Voilà, dernier aspect de la culture ce soir, on va vous proposer d'aller voir une exposition, ça se passe dans les couloirs du Palais Bourbon, ce sont l'exposition des dessins de Nicolas Vial, qui est dessinateur, critique, il travaille pour de nombreux journaux, notamment pour Le Monde, c'est une exposition qui a lieu jusqu'au 25 mars 2000, elle est intitulée « Terre et bestiaire de l'an 2000 ». On voit ici quelques dessins de Nicolas Vial, avec notamment un poisson en eau trouble. Nicolas Vial, au-delà de faire des dessins et d'être illustrateur, revendique une admiration profonde pour le Tintoret ou encore Piranèse. Et on voit donc que ces êtres étranges, que juste avant, et ici c'est l'Afrique du Sud, hein, ces êtres étranges, et puis des dessins également très politiques, notamment sur l'Afrique du Sud. Voilà donc pour ces expositions. On va se quitter en musique et je vous propose ce soir de retrouver le groupe Ange qui interprète ce soir L'eau qui dort. Christian Decamps, très vite attiré par la musique et la scène, a fondé le groupe Ange en 1969. Aujourd'hui, ce groupe existe toujours, L'eau qui dort. Sous-marin de nos errances, remue la base dans tous
Burin sous le marteau. On se joue comme un prélude, molto allegretto. Et l'on descend de la navette, des gros cailloux plein la tête, les papiers dans la mallette, racontent ce que l'on doit. Et même la pluie qui clapote fait peur aux escargots. On se cache tout ce bloc fermé cause de travaux. Extrait de l'album La voiture à eau. Donc, ce groupe a été un des premiers groupes rock français, des millions d'exemplaires vendus. Il a été dissous en 1995, puis Christian Descamps a reconstitué le groupe que l'on retrouve aujourd'hui. Ça s'appelle Le Nouvel Ange. C'est la fin de cette émission, parce qu'avant c'était le journal, mais bon, c'est l'émission. Voilà, je voulais quelques conseils de lecture. Une autre histoire des religions. Le pape a été en Israël. C'est signé par Rodon Vallée aux découvertes Gallimard. Toujours beaucoup de travail et volonté de pédagogie dans cette collection. Je voulais vous signaler également de Jean-Michel Espitalier, Pièces détachées. C'est une anthologie de la poésie française aujourd'hui. C'est publié chez Pocket. Et puis dans le cadre de la semaine du français, de la langue française et de la francophonie qui se termine le 24 mars. Je voulais vous donner quelques conseils de lecture. D'ailleurs, cette plaquette qui accompagne le dossier de presse du ministère de la Culture, qu'on peut trouver dans les bonnes librairies et au ministère de la Culture, le cahier des 10 mots, c'est un certain nombre d'auteurs qui sont intervenus sur, qui ont choisi des mots. Alors dedans, vous avez par exemple Raymond de Vos, par exemple, ou vous avez encore Patrice Louis, mon ancien confrère, qui publie « C'est beau, mais c'est faux » chez Arléa, et donc qui nous explique, et là on est dans l'amour du français, la manière de bien parler. Alors est-ce qu'on dit les fêtes battent son plein ou est-ce qu'on dit les fêtes battent leur plein? Question. Réponse. Les fêtes battent leur plein. Battent leur plein parce que la mère bat son plein, et son plein c'est quand elle est… à son niveau maximum. Et donc, a priori, une fête qui bat son plein, c'est quand elle est à son niveau maximum. Quand il y a des fêtes, elles sont à leur plein. Voilà, par exemple. Et puis, je voulais vous signaler aussi de Thierry Prelier, Le Petit Dictionnaire des Morards. C'est au Cherche-Midi Éditeur. Alors, dans Le Petit Dictionnaire des Morards, il y en a un qui va vous plaire, Valeria Bruni-Tedeschi. C'est le verbe s'évaguer. Et le verbe s'évaguer veut dire distraire son attention, se laisser aller en esprit. Voilà. C'est la fin de cette émission. Bonsoir, bonne nuit. Les États-Unis n'ont toujours pas aboli la peine de mort. We'll be right back.
يابسه وحزينه.